Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo d'un peut-être topin que j'ai fait de nuit. Donc c'est une voix qui a été enregistrée après la game parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais terminé la vidéo, bah j'avais pas mis le microphone. Donc du coup je vais faire un peu le commentateur de cette game que vous allez percevoir très brièvement sur la nuit avec Tom Fury, le fameux joueur qui va bientôt enchaîner avec son premier kill de la soirée. Un magnifique dans une cage à chien, il a tué son ennemi tel un ennemi. Du coup, on passe à la séquence suivante. Alors là, je m'infiltre discrètement. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Dans le bâtiment, c'est un combat fatal. Tac, l'ennemi se fait découper en 4. Toujours campé devant un Burger King, c'est très 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 important. Surtout quand on fail toutes ces balles. Regardez ça, regarde. Je suis un déchet, je ne sais pas jouer. Clairement, là, le mec, il a dû rigoler derrière son écran, il a fait « Il sait pas me tuer, il pourra jamais me tuer. » Mais en fait, si, le sort le rattrape, et du coup, c'est la débandade. On en est donc à mon troisième kill pour ce petit BR magnifiquement réalisé qui va peut-être finir par un faux pas, parce que je ne souhaite pas spoiler la game. Mais bon, vous vous doutez que si jamais je upload une vidéo... Donc là, vous voyez, il y a un petit buggy qui s'est arrêté derrière moi, alors que j'étais dans le bâtiment depuis un petit moment. Et je me suis dit, bon allez. Non, je vais pas faire grand-chose, je vais plus continuer ma route. Parce que dans la vie, les top 1, c'est ce qu'il y a de plus important. Comme on dirait chez nous, le top 1, c'est la vie. Ça rime pas, du tout d'ailleurs. Donc là, je me dirige vers ma petite caisse de drop. Et là, je vois quoi? Oh, un petit ennemi furtif. Je le shoot. Vais-je réussir à le tuer ou vais-je partir au goulag? Parce que le goulag... Et voilà. Un de plus, le quatrième sur la liste. Ça commence à faire long. Bien sûr, toujours penser à se replaquer. Et bien sûr, quand on tue quelqu'un, bah, cette personne va au goulag. Pour au moins une fois. Et ces gens-là, quand ils ressortent du goulag, et bien ils retombent sur leur stuff. Et ils retombent sur le même ennemi qui campe comme un petit con. Première reconnaissance, un classique, une petite deuxième reconnaissance, un deuxième classique, hein, histoire de bien savoir où est-ce qu'on va camper à la fin. Donc là, j'aime bien, c'est une séance qui m'a fait rire pendant que je jouais. Alors là, vous allez voir, j'ai un peu merdé. Voilà, donc lui, il est à terre, donc il a une autoria, hein. Je rappelle que je suis en duo de nuit, en solo de nuit. Et ouais, j'ai manque de chance, je peux pas traverser. Donc le mec a un peu de chance aussi. Hein. Allez hop, il s'est autoria. Hop, il repart aux Bahamas, il fuit comme une petite salope. Oui, je n'ai même pas peur de le dire sur un panneau. Je vais essayer d'enchaîner, mais ça va être compliqué. Voilà. Donc là, il y a même les aléas du direct avec le chien qui aboie. Alors là, troisième reconnaissance. Voilà, hein, classique. Hein. Donc là, clairement, là, je pouvais voir où est-ce que lequel grain d'herbe ça se terminait. Sauf que moi, ça est presque terminé pour moi parce que regardez. Eh bah oui, la zone, ça tue, ça fait mal, ça pique, ça rase les cheveux, tout ça. Donc je décide de lâcher une arme et de faire un touchous pour essayer de sauver ma vie. Et bien sûr, comme vous connaissez Tom Fury, l'acteur, bah il s'entraîne souvent sur les citrouilles à tirer. Il réussit tout ce qu'il fait. Donc là, on arrive sur les fins de game. Donc, de bas de bâtiment, on appelle ça les kills du quartier, quoi, du terre-terre. Hein, on est dans les halls de bâtiment, on attend tout ça, et puis on termine. Hein. On en a 6 kills, c'est une game classique pour l'instant, hein, pas un score de malade. Voilà, donc je me fais allumer, je me fais avoir. Ah oui, magnifique action de Barotte, regardez, il anticipe sa mort. Aïe, 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 mais je suis par terre, mais je lave le sol. Je lave le sol, clairement. Et regardez, tac, avec grâce à ma frappe aérienne, le mec a été trop gourmand, il a voulu me rusher. Il s'est fait allumer le popotin. Voilà, donc là, on allume. On fait un peu peur, hein, on arrive dans les dernières zones. Donc forcément... Je sors toujours sortir couvert, moi je mets toujours des boucliers, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc là toujours vers la fin, hein, vous en sortez de zone, il faut camper un petit peu. Hein. On n'est pas parfait, il faut forcément camper un tout petit peu, bien sûr, messieurs, dames. Et il faut avoir des bons réflexes parce que vous n'êtes pas les seuls à camper. Il y a Jackie là-bas, regardez. Jackie, 25 ans, joueur de Warzone depuis 25 jours d'ailleurs. Donc il fête son 25e anniversaire de jeu. Et là, bien sûr, c'est du camping CTLM, comme on dirait un ami. du camping sauvage. Hein, donc tente Quechua, les Fresh and Black 2, d'ailleurs très bonne tente. Un petit kill classique. Le coup du masque qui nous casse les couilles et qui va nous empêcher de recharger, il me semble. Non,
Tiens, j'ai réussi à recharger, c'est bon. Voilà. Donc là, il était à terre. Tac. Et là, sérieusement, voilà. Bon, bah, signal, attention, Tom Fury. Tom Fury qui laisse ses grenades. Oh là là, mais putain, il a presque plus de place, Tom Fury. Mais il a de la chance, il a un skill de malade. Et on est sur le top 1 de Halloween 2020, messieurs, dames. Tom Fury qui a gagné et qui vous incite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Parce que c'était la vidéo du 46e top 1 de Tom Fury. Abonnez-vous, Banzai!